vous aimez la série Dahmer et les autres films de tueurs en série. Mais saviez-vous qu'en 1979, en Martinique, il existait un tueur en série et il n'a jamais été arrêté. Mais avant de continuer, abonne-toi pour plus d'histoires. Le 9 novembre 1979, on découvre sur la route de Lens-Madame à Schœlcher le corps dévêtu et sans vie d'une jeune de 21 ans appelée Hélène Celay. Cette étudiante en licence d'espagnol était appréciée de tous. C'est pourtant la dernière d'une série de meurtres énigmatiques avec le même mode opératoire entre mars et novembre 1979 dans le même secteur. Le samedi 10 mars, c'est une jeune fille de 20 ans qui est agressée, frappée au visage, elle put heureusement être sauvée. 14 jours plus tard, c'est le cadavre de Pamphila Castel que l'on retrouve le crâne fracassé à Tivoli. Un week-end plus tard, non loin de la rocade de Cluny, le cadavre d'une femme, Victoire Mélina, est découvert, la boîte crânienne brisée. Le 24 mai, c'est le cadavre d'une jeune fille de 11 ans qui est retrouvée dans un champ de canne au Gros Monde, elle aussi frappée au crâne. Un mois plus tard, c'est une femme que l'on retrouve sur un terrain vague à la Pointe des Nègres, au visage et dans un état grave. Elle put survivre à l'attaque, mais ne put jamais donner d'indication sur l'identité de son agresseur. Et enfin, quelques jours avant le meurtre d'Hélène Celay, c'est une jeune fille de 12 ans que l'on retrouve assommée à coups de cailloux derrière la tête. Pour toutes ces affaires, on ne retrouvera jamais les culottes des victimes. Ce qui laisse penser aux gendarmes qu'ils auraient affaire à un maniaque sexuel. Une panique généralisée s'installe donc en Martinique. Les jeunes femmes ont peur de sortir et les gendarmes sont sur le qui-vive. C'est ainsi que 48 heures après les faits, le procureur de la République indique qu'un jeune homme d'une trentaine d'années avec un passé psychologique inquiétant est soupçonné puis accusé du meurtre d'Hélène Celay. Comme tu veux. Il passa même aux aveux partiels. Cette arrestation provoqua un véritable soulagement au sein de la population. D'autant plus que la série de meurtres s'est soudainement arrêtée depuis son incarcération. Mais voilà, défendu par Maître Camille Darcière, l'avocat mit en évidence de nombreuses incohérences dans le dossier, car aucun indice ne permettait de confirmer son implication. C'est ainsi qu'en 1985, 6 ans après son incarcération, l'individu est libéré pour faute de preuves par la cour d'assises de Versailles. Quelques années plus tard, l'université décide d'inaugurer un amphithéâtre du nom de la dernière victime de cette vague meurtrière, l'amphi Hélène Celay. Le principal suspect définitivement innocenté, 45 ans plus tard, les meurtres de ces femmes restent encore aujourd'hui de véritables mystères. Rendez-vous compte.